Start, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo comme la dernière, glitch d'argent, donc sur GTA 5. Et on va avoir des voitures dans la rue customisées et on va pouvoir les vendre, mais par contre il n'y aura pas le bypass. Donc c'est entre 22h et 3h du matin. Et donc là, on va regarder s'il y en a une ou pas. Allez, allez, allez. Donc là, non, il n'y en a pas. Dommage. Donc il y a deux voitures. Ce sont des ions. Et il y a une voiture violette et une voiture verte. Donc la voiture violette est plus custom. Donc se vend plus cher, je crois, 18 ou 19 000. Et la voiture jaune se vend 12 ou 13 000. Voilà, donc hop, on va refaire un petit tour. Donc j'en ai un autre encore de glitch comme ça, de véhicule. Donc j'en ai déjà fait un, là il y en aura un deuxième, là c'est le deuxième. Et le troisième il arrive normalement après demain, voilà. Ils sont en train de m'humilier devant mes abonnés. Je sais pas si ça fait effet, mais juste avant la vidéo, en fait, quand je voulais lancer l'enregistrement, et j'en avais vu une justement de voiture custom. Donc je sais pas si quand on prend pas une voiture custom, et y a plus de voiture custom qui apparaît ou pas. Bon, en tout cas, je me suis écarté un peu, je vais revenir. Hop, hop. Mais c'est trop relou, il y en a pas. En plus c'est méga relou aussi parce que ma voiture elle est toute déglinguée, donc du coup je tourne mal, c'est méga relou, tu vois, tiens. Bon allez. Oui, on est tombé sur la violette en plus, allez c'est bien ça les copains. Allez c'est ça les copains, allez hop, toi tu vas sortir de là. Nous on va aller au LS Custom, allez c'est ça, voilà. En plus ils sont plutôt pas mal hein, vous pouvez le voir, ils sont pas mal, voilà. Bon allez, on va directement aller au LS Custom. Et si je ne peux pas vendre, puisque là je viens de faire la vidéo, en fait je viens de tourner la vidéo où il y avait la première vidéo avec les véhicules custom qu'on peut vendre. Donc je sais pas si le bypass est là ou pas. En tout cas, je sais que pour ce glitch, il n'y a pas le bypass. Mais je sais pas si les 48 ou 45 minutes sont déjà passées ou pas. Bon, et en tout cas, on va voir ça dans quelques instants, les copains et les copines. Allez. Blindage et tout. Moteur, je crois. Non, c'est pas amélioré. Voilà. Vente. Oh, voilà. Nous ne voulons pas de véhicule pour le moment. Oh là là. Oh, c'est assez énervant quand même, parce que voilà quoi, je voulais vous montrer combien je pouvais la vendre, mais voilà, bon bah. Malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer. Donc je pense que je vais aller mettre cette voiture dans le garage. Allez. Il est où le garage? Il est là. Allez hop, on va aller directement au garage. Allez. Hop. Allez, on se retrouve une fois qu'on est arrivé au garage. À toutes. Voilà donc les copains et les copines. Donc alors c'est bon, on est enfin arrivé au garage. Donc hop, on va passer par là. On va passer par là sans essayer d'abîmer la voiture, même si ça va pas l'abîmer. Hop, ok. Allez hop, on va virer cette et les garages 8. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, donc ça c'est la voiture qu'il y a dans l'autre bug, dans l'autre glitch. Je vais vous montrer en vue FPS comment elle est. Hop, voilà, donc elle est comme ça en vue FPS, hein. Voilà, c'est pas super. Et l'autre aussi, je vais vous la montrer en vue FPS, de toute façon c'est une Zion hein, comme d'hab. Voilà, en plus les sièges ils sont custom, voilà, hop. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et salut, c'était GameStar.